Ce lundi, les restes de 3 personnes ont été découverts dans une fosse septique de plus de 7 mètres à Mutakura, à la 9e avenue. 2 personnes ont été appréhendées et torturées. Un jeune qui dit s'être rendu aux autorités révèle avoir dénoncé les auteurs de cet acte. J'ai eu la chance de croiser celui qui les a enterrés. Je l'ai conduit par force aux autorités. Il a voulu résister, mais il a fini par avouer. Il nous a montré précisément l'endroit. Ce que je me souviens, c'est qu'il y avait une mauvaise odeur. Cela me mettait mal à l'aise. Et puis j'ai demandé à ces gardes de couvrir cette fosse. C'est lui qui l'a fait et cet homme. Plus ou moins 30 personnes seraient entassées dans cette fosse, a affirmé le maire de la ville, Freddy Mbonima. Nous avons trouvé dans cette fosse commune, jusqu'à maintenant, 3 restes de cadavres, des crânes comme vous les avez vus. Mais on pense qu'il y a encore d'autres individus à l'intérieur, parce que les malfaiteurs qui étaient dans ce sale besogne nous ont signifié qu'au moins une trentaine de gens se trouvent dans ce trou. La Croix-Rouge Burundi est venue désinfecter le lieu. L'administration locale s'en est chargée des funérailles de ces squelettes.